Bonjour. Sexe, drogue et violence. Tel est le quotidien impitoyable des gangs tarnés. Aujourd'hui, l'un d'entre eux, Los Bananas, ont accepté de se laisser tourner à visage découvert et de nous révéler leur quotidien. C'est une enquête exclusive pour Fouille Merde Interactif sur Crash TV. Marius et Théodore ont vécu pendant 10 ans. 10 ans dans le dépotoir, une vie dure, une vie rude, une vie impitoyable. L'un d'eux, pendant 5 années, est resté coincé dans cette cuve, alimenté par des cordages. Tout de suite, auprès de Marion et Camille, leur révélation exclusive. Michel et Simon, bonjour. Vous avez accepté de nous recevoir et de témoigner à visage découvert. Nous sommes là pour écouter vos motivations et vos objectifs et vos revendications, bien évidemment. Que pouvez-vous nous dire sur votre groupe? Que pouvez-vous nous dire sur toutes ces choses auxquelles vous tenez tant à partager avec les Français? C'est notre beau fort, déjà on est un groupe là. On est un gang, c'est bon, c'est. Voilà, on est pas des petits là, on est un gang. Et ici, t'as vu mon gars, c'est le dépotoir. Là, et c'est le dépotoir. Ouais. Y'a pas de crise dans le gang. Ah, y'a pas de gang dans la crise parce que. Après, d'une fois, t'as vu, c'était Bébert, Bébert le charclos là. Hein. Franchement, il arrive et tout, il me dit hein, Marcel, t'as pas de la bougnette? J'ai dit, mais toi, tu te crois au dépotoir ou quoi? Et il me dit, ouais, je me crois au dépotoir. Alors j'ai dit, ouais, je t'ai vu, t'as raison, t'en es au dépotoir. Tu veux de la bougnette? Voilà de la bougnette. Et nous ici, on fait partie du FLB, le Front de Libération de la Bougnette. De la bougnette, oui, effectivement, mais Michel, vous êtes assimilé à la voix du groupe et nous aimerions peut-être vous laisser justement la parole pour que vous puissiez exprimer ces revendications. Revendication aussi, c'est que Philippe Rézoli, si tu m'écoutes. Ouais, dédicace, ouais. Casse des vies, voilà. Quand tu veux, tu descends pour la bougnette ici. Nous ici, on voit des mecs passer à droite à gauche dans le dépotoir. Ouais, des mecs passer, voilà. Effectivement, il y a des choses qui semblent peut-être un peu étranges lorsque l'on vient ici et que l'on regarde autour de soi. Mais que pouvez-vous nous en dire justement? Ah, il y a des gars bizarres, chelous qui viennent. Mate-lui là. Oh, c'est quoi ça fait? Putain, ça fait. Oh, chelou. Ça tourne toujours. Ils vont se laisser tourner. Bonjour. Sexe, violence et rock'n'roll. Sexe, allez. Drogue et... Pas de crise pour le crime là. Ouais, y'a pas de crime dans la crise. T'as vu? Voilà.